Thank you.
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en direct ce dimanche matin et de vous saluer tous. Nous voici donc au premier dimanche sous le régime du confinement des cultes, le Conseil d'État ayant refusé hier soir le recours que nous avions déposé contre une mesure attentatoire à la liberté des cultes. Le juge a rejeté ce recours au nom du motif sanitaire. Prenons-en donc acte et respectons cette décision dans la perspective du bien commun, même si cela n'est pas facile pour nous. Profitons de la possibilité qui nous est donnée d'aller prier dans nos églises, où nous serons accueillis par nos prêtres et les responsables des communautés. Chers amis, même en ce temps difficile, le Seigneur nous donne rendez-vous pour le bien et pour la vie. Ne nous dérobons pas, mais au contraire, saisissons toutes les opportunités pour nous faire réellement les témoins de son amour. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié, ô Christ, en pitié, Seigneur, en pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment.
Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres, avec ce que je viens de dire, parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, ce n'est jamais très agréable de se voir fermer la porte au nez. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté cela, parce qu'ils sont arrivés à l'heure de la fermeture d'un bureau ou d'un magasin. Mais certains l'éprouvent aujourd'hui beaucoup plus douloureusement. Ce sont tous ces immigrés, tous ces déboutés du droit d'asile, toutes ces personnes exclues, devant qui toutes les portes se ferment, qui ne sont pas accueillis, qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas aimés. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'il pense du récit que nous venons d'entendre, une des jeunes filles qui en sont les personnages principaux, il s'arrêtera plutôt à plaindre les jeunes filles insouciantes, imprévoyantes, qui se voient fermer au nez la porte du banquet. On a pitié toujours de celles qui sont pénalisées, même si c'est par leur faute, et qui manquent l'occasion d'être avec l'époux. Je ne connais personne qui viendra dire c'est bien fait pour elle, sauf si c'est un sans-cœur. Et pourtant, elles savaient, ces jeunes filles, que la chance ne passerait pas une deuxième fois. C'est un peu ce que Jésus veut nous rappeler quand il nous dit « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ne laissez pas passer votre chance. » Dans cette parabole, Jésus met en scène l'attitude de fidélité dans l'attente qui rendra possible d'accéder ou non au royaume. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à attendre la réalisation de la promesse du Christ. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'huile dans sa lampe au bon moment. Il s'agit d'être présent et disponible au moment voulu par Dieu, qui demeure toujours imprévisible. Jésus met en scène 10 jeunes filles, 5 insouciantes et 5 prévoyantes. Elles vont vivre sensiblement la même chose, l'attente.
sauf que certaines avaient assez d'huile dans leur lampe, les autres non, qui rateront ainsi le rendez-vous avec l'époux. Cette situation nous met un peu mal à l'aise, car on a l'impression qu'on claque la porte au nez de ces pauvres filles par manque de charité. Il ne s'agit pas d'un refus de charité, mais il s'agit de l'huile de notre vie, celle qui peut nous éclairer et qui ne peut pas être changée avec d'autres. La fin de nos recevoirs que subissent les jeunes filles insouciantes met plutôt en lumière ce qui est le secret de la vie de chacun, la décision qu'il prendra ou ne prendra pas dans sa liberté et qui le conduira à la vie ou alors à se voir écarté de la vie. Nous, chrétiens, nous savons qu'il s'agit d'une décision à prendre pour le Christ. Jésus ne nous demande pas un acte particulier, il nous demande simplement de veiller. Il nous appelle à une attitude qui va marquer toute notre vie, celle de la veille, celle de la disponibilité, celle de l'attente, celle d'être prêt au rendez-vous avec le Christ, hors de toute insouciance. C'est une attitude de chaque instant. Beaucoup se montrent insouciants quand tout va bien et ne commencent à penser au Christ que quand ça va mal. Ou alors, parce que le Christ n'est pas là dans l'épreuve, il se laisse aller au découragement. L'attente, la veille selon le Christ est synonyme d'espérance. C'est une question qui peut se poser à nous au moment de ce confinement. Dans cette épreuve, il y a de quoi désespérer. Parfois, nous nous demandons, est-ce que nous allons nous en sortir ou pas? Ou si nous sommes croyants, est-ce que Dieu est encore avec nous? La réponse n'est pas mathématique, car pour Dieu, notre vie n'est pas mathématique. Il nous dit d'attendre, il veut nous donner sa vie, il nous aime et veut nous sauver. Attendre signifie alors aimer. Aimer ce Dieu qui nous donne sa vie et son amour. Mais c'est aimer dans l'absence et dans l'attente. Nous préférerions bien sûr avoir tout de suite les résultats de cet amour. Mais ce que nous dit Jésus dans l'Évangile, c'est que aimer Dieu, ce n'est jamais dans l'absence totale. Même quand Dieu n'est pas là, quand il nous paraît éloigné, il travaille en nous par son esprit. S'il était toujours là, en évidence, ce serait simple. L'épreuve, cette grande épreuve, nous prépare à accueillir son amour. Creusons-nous le désir de lui. Les jeunes filles qui avaient leur lampe prête avaient compris cela. Elles attendaient l'époux, ne sachant pas quand il viendrait, mais prêtes à le recevoir quand il viendrait. Elles ne s'appartenaient plus, elles étaient disponibles pour entourer l'époux, pour l'accueillir dans leur vie. Et le temps vient où son amour, l'amour du Christ, va travailler en moi, me faire aller de l'avant, me convertir le cœur, m'ouvrir de plus en plus à sa présence. C'est ce qu'ont manqué les insouciantes, parce qu'elles n'étaient pas prêtes à cela. Ce n'était pas une simple question de discipline horaire, mais de disponibilité à sa présence. Celui qui est disponible, c'est celui en qui l'amour de Dieu peut grandir pour le bien de tous. Demandons-nous donc si c'est là où nous en sommes, ou si nous ne sommes pas prêts, parce que nous ne sommes pas préparés à la rencontre avec Dieu. Partout il se manifeste à nous. C'est là la grande question du confinement. Ne regardons pas seulement ce que nous n'avons pas, les messes qui nous sont refusées
par souci de la santé collective. Regardons plutôt ce que Dieu met dans notre cœur pour nous aider à attendre et à bien vivre sa parole, à goûter son amour, à partager sa paix, à semer. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, laissons-nous ce matin inspirer par la parole de Dieu pour lui adresser notre prière. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Donne, Seigneur, à nos dirigeants cet esprit de sagesse, que cet esprit les éclaire dans les décisions qu'ils ont à prendre actuellement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donne à nos communautés, Seigneur, cette joyeuse espérance qui va nous permettre de vivre au mieux ce temps de confinement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui, au cœur de la nuit, prennent soin de nous. Les soignants, bien sûr, en ces temps de pandémie, mais aussi tous ceux qui permettent à notre monde de vivre le plus bellement possible. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Celles qui étaient prêtes entraient dans la salle des noces. Donne-nous, Seigneur, de faire partie du cortège de ces femmes prévoyantes qui peuvent entrer au banquet des noces. Que l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain soient au cœur de nos vies. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Jésus, maintiens en éveil notre esprit et notre cœur
que jamais nos provisions de foi et d'amour ne s'épuisent avant ta venue parmi nous. Nous te le demandons, à toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Permettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
plus encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, cette célébration, humble comme pouvait l'être la croix, bien, j'espère qu'elle nous aura remplis de force pour toute la semaine qui vient. Nous resterons en communion les uns avec les autres, comme je vous l'écrivais